Salut YouTube! C'est l'épisode je ne sais plus combien. Qui ne sont pas encore sur. J'ai fait une bêtise. Hop! Qui ne sont pas encore sur YouTube. Hey. Parce qu'il faut que je fasse les miniatures. Enfin, que je fasse. Que j'aide à faire les miniatures, parce que voilà. Allez, on continue avec Alan Wake 2. On était avec Alan Wake, justement. Et on allait. Dans. Le cinéma. Le cinéma de Thomas Wayne. On avait récupéré un truc. C'est bon. Je suis en hauteur là ou pas? Alors attendez, il faut que je revisualise l'entrée. Donc l'entrée est là. On est là. Ok. On va farfouiller un petit peu avant. Niveau munitions, je suis pas trop mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais plus. Ah, là on a. Tac, on va les ranger tout de suite. Comme ça, c'est fait. C'est vrai que j'avais fait du nettoyage dans mon inventaire. Tout bien. Pas con, le gars. Alors, on va aller poser tout ça dans la boîte à chaussures. Parce que. Pas besoin. Munitions, on est bien. Et bah, c'est parti! Donc, on a récupéré, il me semble. Il fallait une autre version de l'histoire. Voilà. Une où j'aurais de l'avance sur Grincement. Hop. On prend la secte du mot. On change le haut. La première étape vers le lieu du crime. Je progressais nettement. Ah, le truc que j'ai pas fait. C'est aller voir. Ah. Attendez, il faut que je réponde à ce message, c'est important. Hop là, hop, excusez-moi, hein, parce qu'on me demande de manière dissimulée ce que je veux pour mon anniv. Mais... Ça a été grillé assez rapidement. Hop! Par ici. Tiens, j'ai pas été ici, ça me fait rien. Parfouillons un petit peu. C'est fermé. Et il va me dire que c'est fermé de l'autre côté. Porte verrouillée, donc il faut que je fasse le tour. Qu'est-ce que... Ça, on prend ça aussi. Ramasse. Merci. Oh, très bien. Très bien. C'est pas écrire. À l'aide! Excuse-moi, YouTube, hein, c'est important. Voilà. Alors. Ouais, il y a ça que je voulais voir du coup. Actuellement, je suis allé là. Je ne peux pas encore accéder là. Je vais pouvoir y accéder par une autre partie du cinéma. Ça, c'est le toit. Donc, on va pouvoir aller sur le toit. Ces marques-là, on les avait vues. On a vu qu'il y avait un mot par là. Là. Il me fait chier avec. Un autre mot par là? Non, c'est un. Ah, faut regarder par là, et en fait, non, faut regarder par là-bas. Saleté. Du coup, ça c'est fermé. Je peux pas accéder à la salle, j'ai l'impression. Avant que la salle, ce soit par en bas. Premier étage, on va considérer que c'est bon. On va retourner au rez-de-chaussée. De toute façon, on n'a pas grand-chose. Et on va suivre les traces de sang, hein. Pas le choix. Là, il n'y a pas besoin de fouiller. Là, c'est fermé. Et ça, on est déjà allé. Checker quand même les toilettes comme dans Among Us pour voir s'il n'y a pas un petit cadavre. Et là, et bah... Ah, bah tiens. Je suis bien regardé. D'accord, j'ai bien vu. Il n'y avait rien. Ok. Du coup, suivons les traces de sang. Que dalle par là. Quelqu'un s'était barricadé dans la pièce.
d'une en LED. Est-ce qu'il y a un ici? Non. Je peux pas y accéder. Le tour. Oh, ok. Je peux pas faire grand-chose de plus. Là, c'est fermé. Ah, faut que je repasse directement dans le... Ah non, je suis déjà en secte du mot, donc je ne peux pas changer. Donc, il doit y avoir quelque chose quelque part. Loupé. Là, je peux pas y accéder, c'est barricadé. Pas non plus. Par l'extérieur, je peux pas. Okay. À premier étage, hein. Ici. Fermé à clé. Voilà. Et rien de plus. Là, on peut pas y accéder. Il doit y avoir un truc en évidence que je ne vois absolument pas. Oui, quelqu'un s'est barricadé. Ok, mais je fais quoi, moi? Il n'y a aucun passage. Là, je peux pas passer parce que il y a une corde. Oh là là. Ladies. Là, pareil, je peux pas passer. Il y a un truc. Ok, il y a ça, mais c'est tout. Je peux pas changer le mot. Donc, du coup, comment je fais? Comment fais-je? Je suis bloqué. À l'aide, YouTube. C'est moi. Dans ma salle, là? Dans le staff? Bah non. Qu'est-ce que c'est, ces conneries? J'ai dû louper une pièce en évidence. C'est incroyable. Je suis resté 5 minutes que je suis bloqué à chercher mon truc. À changer le truc. Si, je peux l'enlever, mais c'est tout, quoi. Ok. Donc, on va retirer. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, ok, c'était ça. Fallait bien tirer le mot. Ça, j'avais pas vraiment visité. C'est là qu'on avait récupéré la map. Et ici, il doit y avoir un truc. Si quelqu'un s'est barricadé, c'est qu'il y a quelque chose. Ou alors, il faut vraiment que je fasse comme ça, hop, et je remets. Et ça. Ouais, voilà. Je vais jouer avec ça. Ok. Par là. Allez. Je crois que ça vous ferait du bien de cracher le morceau. Voilà. C'était une cérémonie d'initiation. Enfin, c'est ce qu'on a fait croire. C'est la voix d'Ilmo, ça. Deux beaux poulets de New York. Ils nous ont rendu des tas de services pour intégrer nos rangs. On leur avait prévu un truc spécial. Et un truc vraiment spécial pour vous, Alex Casey. Qui est votre chef? Alan Wake? Grassement? Zane? Je veux un nom! Vous ferez bientôt sa connaissance. La corruption était sans limite. Ok. Ça allait avec le genre. Alors je l'utiliserai. Les poulets de New York. Pardon. Allez, on refouille.
toute façon, ça va être beaucoup d'aller-retour. Le vidéo. Le. Non, j'ai peur. J'ai peur. Alors. Hop, j'ai vu qu'on pouvait aller en bas, mais je veux d'abord voir par ici, tout ça. On fouille partout, comme d'hab. Hein. Mais ça va. Vu que toute la pièce est modifiée. Bah, je sais qu'il y a un. Ah, tu me l'as montré, et tu m'as dit non, tu t'es fait avoir, c'est par là. D'ailleurs, il est là. On l'a récupéré. Et on va aller dans la salle de cinéma. On va sauvegarder, je crois. Salle de ciné. Là, on va pouvoir le changer. Ok. Même chose. Fouillons. Ok, là, il y a un truc. Mais on va pas le regarder tout de suite. Je vais d'abord bien fouiller. Donc on peut y accéder par en bas. Par ce côté-là aussi. Ok. Alors. Pas grand chose. Hein. Bah, avant de faire quoi que ce soit, on va se mettre en secte du mot. Et ensuite, je remettrai en normal. Wow, bonjour! Il passe compte à rebours. Ah, ça va. Ouais, se mettre en secte du monde n'était peut-être pas une si bonne idée. C'est marrant ça, parce que avant c'était pas ouvert, secte du monde. Ah non, je me suis mis en... Ah non, c'est le hall qui est en poulet de New York, mais la salle est en secte du monde. Qu'est-ce que je vais faire agresser? Non, pas d'agression. Mais vous? Oui, je sais qu'il n'y a pas d'issue. J'ai compris. Hop. Masse. Les légendes urbaines autour de Thomas Zane étaient un puissant fond. J'avais bien creusé. Pour les dingues du 7e art, c'était une légende du cinéma d'art et d'essai. Une star montante, venue droit de Finlande jusqu'en Amérique. Mais il n'avait tourné qu'un seul film, Tom le poète, avant de disparaître. Tout comme le personnage principal de son film, qu'il avait incarné lui-même. Le plus grand mystère concernait son film perdu. Une œuvre de jeunesse faite en Finlande, Nightless Night. La rumeur disait qu'il avait des vertus mystiques. Certains disaient que c'était un snuff movie et que le crime rituel du film était un vrai meurtre. Apparemment, il n'existait plus aucune copie du film, mais la secte en cherchait comme un véritable Graal. Exactement comme les livres de Wake. Ok. Et on va se passer en plein New York. Ah, bonjour! Par contre, ils peuvent m'agresser. Debout. Non, non. Oula, la caméra m'a fait un truc bizarre. Par ici, je peux pas descendre, je suis vraiment obligé de faire le tour. Oui, c'est moi. Et du coup, si je retire le mot, ouais.
perdu là. Plein de New York, que dalle. Est-ce que je peux accéder au toit par l'extérieur ? Là, pas l'impression, hein. S'il y avait l'accès au toit par là, oui, je sais pas dessus, blablabla. Allez, monte plus vite. Vas-y, montre que tu peux. Que dalle, il y avait même pas un petit truc là. Même plus. Et là il considère que je suis où sur la map? C'est-à-dire que je suis là. Ah, intérêt. Là. Parfait, je vais aller voir. Allons voir, allons voir. Les vidéos ne descendent plus vite les échelles, c'est bizarre. J'ai pas été codé ici. Impossible d'ajouter. Ah oui. Je devais aller sur place. Oui, j'ai compris. Ici, on a déjà farfouillé, il n'y a que dalle. Ok, je suis un peu perdu là dans le cinéma. Hein. Hop là. J'ai fait d'ailleurs le point qui me manquait dans le... Non ? Alors ? Ah ? Amusant en mots, mais... Sur... I... I... Est-ce que c'est là-haut? Calme-toi, j'ai... Oh. Ça, je l'ai eu. Ça va pas avoir bougé, ça. Ah non. Tellement perdu là dans le dans le cinéma. J'ai jamais autant galéré. D'habitude, bon, je faisais pas mal d'aller-retour, je sais, sur le reste, mais quand même. Je sais pas d'issue. Si c'est ouvert. Ah bah voilà, c'était là qu'il fallait que je passe. Il faut que je passe. Bon. Voilà ce qui manquait. Pas de gros changement. Hein.
Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où ça clignote? Parce que là, j'ai récupéré. Ok. Attendez. Là, on est dans le plan d'intrigue. On va passer, du coup. Et en évidence, je le vois pas, quoi. du coup, moi, ce que je vais faire, c'est ça. Ça. Et on va passer en... Et ben voilà, pas du vidéo projeté. Si je refais ça. Pédale ici. Je vais reprendre la lumière. Les flics avaient eu droit à leur minute de gloire avec la secte. Et ça avait été mortel. C'était les victimes du meurtre. Je devais me faufiler dans la cabine de projection. Oui, s'il te plaît. Trouver un moyen d'entrer dans la cabine de projection. Je peux pas changer de lieu. Non. On va se mettre en secte du mot. Je vais retirer le mot d'abord. Et c'est pas ça. Secte du mot. Voilà, vous suivez votre maître jusqu'aux portes de la folie. Non, mais est-ce que vous vous êtes bien regardé? Vous suivez votre maître jusqu'aux portes de la folie. Vous êtes qu'une bande de clowns encapuchonnés. Avec des masques bizarres qui jouent à la société secrète. Peut-être que c'est plutôt vous qui jouez un rôle, Monsieur Casey. Un rôle soigneusement taillé pour vous. Un pantin qui suit aveuglément les étapes rituelles à la gloire de la secte. Mais bordel, qu'est-ce que vous avez fumé? Nightless Night. Un bout du film a survécu. Vous verrez, Monsieur Casey. Dans Nightless Night, vous comprendrez enfin. Nightless Night était le film de Zane. Il joue un rôle dans cette histoire. Oh, pff, je fais de la merde. Et la caméra n'y arrive pas à suivre. Calme-nous. Avant d'activer la cabine de projection, je vais aller me refoutre dans le hall, comme d'hab. Hein. On va tout activer. Et ici, on fout extrait du film perdu. L'intrigue changeait les détails du monde. Parfouillons un petit peu. Par ici, ça passe.
On va refaire un petit tour là-haut. Et il faut que je mette l'extrait du film dans la salle. Ça va toujours être fermé de toute façon. Preuve. Oui, j'ai pas beaucoup de munitions. Le fusil à pompe. Un film en guise de rituel. De la magie en images, dans un cinéma issu d'une époque où il y avait encore de la magie sur grand écran. Et ben on va. Ça. Oui, si, il faut que je mette. Donc il va falloir que je fasse super gaffe. Et... qu'est-ce que c'est? Oh, Kazé va se faire buter. Zane était à l'écran tenant ma lampe. Est-ce qu'il jouait mon rôle dans son film? La lampe de Zane était éteinte. Je pouvais lui passer la lumière de ma lampe. La lumière de la lampe surgit de l'écran et révéla une porte. Yes. Parce que c'est mon autre sortie. Oui, c'est bon. Voilà. Extérieur nuit. J'étais de retour dans le noir. La ruelle sortie de loin des yeux indiscrets était parfaite pour l'horreur. Safe. C'est un retour vers l'extérieur. Les piles, on va pas dire non. Même si j'en ai pas récupéré des tonnes. Ah, j'ai fait le tour. Ah oui, j'étais obligé. Non, j'arrivais là. Ok, d'accord. Alors, on farfouille avant de changer. On cherche des mots, hein, bien sûr, comme d'hab. Je devais trouver la réponse sur le plan d'intrigue. Ouais, je sais, t'inquiète. J'ai juste besoin avant de fouiller. Calme-toi. Ah, et là, c'est l'ouverture. C'est verrouillé aussi, donc on peut pas y accéder encore. J'ai besoin de la clé. Ok. Y a pas d'autre... pas loupé un truc, là, à droite. Non. Ok. Sur la map, je me suis tué où? Sur la map, je suis là. Ça, c'est la porte fermée. Terre. Et bien, on va passer d'abord en... sac du mot. On va faire dans l'ordre. Secte du mot, c'est parti. L'histoire enfouie sur la scène. Bon. Elle ici aussi. Mon objectif, trouver le lieu du crime, trouver un moyen d'entrer dans la cabine de projection, aller sur le toit et trouver le lieu depuis lequel quelqu'un est tombé. Ok.
Là, la question est, c'est ouvert ou pas? Ah. Du coup, on passe en poulet. Non, on trouve pas rien. Puis ça, mais je peux récupérer ça. Je savais que je progressais. Je devais continuer. Rien, hein. Gardez les souvenirs. Tu penses pas qu'ils vont nous demander de nous couper un doigt ou autre chose pour cette initiation, hein? Non. On devra juste chanter un truc pour la cérémonie. Il n'y a pas plus simple. Eh ben, c'est pas trop tôt. On le mérite bien. On a fait disparaître beaucoup de leurs problèmes. C'est qu'on en a balancé des corps pour eux. Ce qu'on a pu faire ou pas faire, c'est du passé maintenant. On va atteindre les sommets, mon vieux. Ouais, ça va être comme le paradis après la mort. Si je remets. Ah, le W disparaît. On va reprendre ça. W disparaît ici. J'ai piqué. Ok. Ça bouge pas. Ça c'est toujours fermé. Et bah, il reste qu'une solution, hein. L'extrait du film. Bon, j'ai une lumière. Faut que j'accède au toit. Mais à chaque fois que je veux changer, il n'y a rien. J'espère trouver la salle de Tim aussi bientôt. Parfait. Là, il y a des flashlights. Et je suis fou. J'allais le mettre. Pas besoin. C'est vraiment dommage qu'on soit obligé de... d'être limité, j'ai envie de dire, dans les objets. Bon, après, pourquoi pas, hein. Mais avant, c'était pas le cas. Light. Dans la ville piégée par une nuit éternelle, ils regardaient le film qui n'avait pas de nuit. La nuit était dans leur tête. Putain, punaise, je suis perdu. Find Alice, ouais. Ouais, on va retourner en... C'est là qu'on avait débloqué un truc, donc on va aller regarder là. La scène changea avec l'histoire. Oh mais... On a balancé des trucs pour eux, donc là en bas, il y a un truc. Ça a dû changer.
En fait, si on nous propose ça et qu'on peut prendre, c'est qu'on devait le prendre, à mon avis. Donc là, on a le W. Ok. Et on va chercher quelque part. Je peux pas remonter. Pas du tout remonter là. Là quand même. Comment je fais pour revenir? On a fait des trucs pour eux, donc techniquement c'est la secte du mot qu'il faut que j'aille. Un peu paumé là. Encore. Il y a un truc en évidence que je dois louper. Quelqu'un et... avait trouvé la mort en chutant du toit. Il va y avoir. Je peux pas accéder au toit là. Il doit y avoir une échelle que j'ai pas vue, ça se trouve. Attends, c'est quand même bizarre. Parce que l'accès au toit, il est là. Trouver un moyen d'entrer dans la cabine de projection, aller sur le toit et trouver le lieu depuis lequel quelqu'un est tombé. Par là. Je sais pas, hein. Mais bordel! Là, j'ai plus le truc. Ça respire fort là-dedans. Une radio. Ah, ok. Je viens de piger. Faut que je me mette là. Voilà. Atteindre les sommets. Les deux flics ripoux observèrent la ville, leur ville. Ils avaient commis des horreurs pour en arriver là. Ils se disaient que ça valait le coup. Plus loin un petit peu. Tim, t'es où? Oh, Tim est là. Ah non, faut que je fasse le tour. Fermé depuis l'autre côté. J'ai l'impression que je m'éloigne. Pas que. Voilà.
Mais non. Salut, Tim. Ça fait du bien de voir quelqu'un de sensé. J'ignore si je le suis vraiment. Ouais. Soyez très prudent, Tim. Si vous me voyez, vérifiez que c'est bien moi. Et pas un sosie diabolique. On dirait que vous n'êtes pas en forme. Je connais ça. Le temps manquant. Les aliens. Minute. C'est quoi ces histoires d'aliens ? Non, j'étais convaincu que mes problèmes étaient liés aux extraterrestres. Enlèvements, messages subliminaux, ce genre de choses. Je sais maintenant que c'était lié à Porte. Cela dit, c'est pas impossible qu'il soit un extraterrestre. Le temps manquant ? C'est ce que j'arrête pas de dire. Les rêves. Parfois, je me réveille dans un endroit différent après des jours d'absence. J'ignore totalement ce qui s'est passé, mais j'essaie de le découvrir. Les choses s'améliorent toujours quand on continue d'avancer, Alan. Oh. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as de beau à me raconter ? Porte. Ça, ça s'est ajouté. OVNI, polyèdre, je les vois dans mes rêves. Géométrique, purement mathématique, forme contenant de l'énergie. Voir. Tu es dingue et tu fais de jeu de rôle. Il reste une petite place ici. Et bah c'est parti pour la chasse au mot de pouvoir. Là on l'a eu, hein. C'est vraiment celui de l'étage. J'arrive pas à retourner là. Faut que je sorte. Là c'est peut-être à l'extérieur celui-là. On va aller voir par là. Ouais. Ça doit être à l'extérieur. Oh non. Mais pas de là que je viens. J'ai un énorme doute. Elle part ici. Avancer, c'est déjà ça. Par contre, Par contre. Je suis pas censé que du mot ici. Parce quoi? Voilà. Vous avez pas intérêt à bouger. Ou je vous flingue sans hésiter. Vous me tenez, monsieur Casey. Je suis à vous. Allez-y. Posez la question qui vous obsède. Comment c'est possible? Comment ça marche? Comment j'apparais dans ce film alors que j'en ai aucun souvenir? Expliquez-moi! Vous avez vu le film? Parfait! Vous êtes donc prêt à rencontrer le grand maître. Il attend dans la cabine de projection où tout vous sera révélé, où il projettera une nouvelle réalité sur celle-ci. Allez, monsieur Casey, j'ai joué mon rôle jusqu'à la fin. Non! Non! Espèce de malade. Pourquoi est-ce qu'il a sauté, ce con? La cabine de projection. Est-ce que j'y trouverai la scène de crime? Alors... Pas trop seul. Oh
il avait peur. D'accord, c'est fou. Ah putain, il m'empêche de recharger. Ils m'ont empêché de recharger. Une horreur. Ils m'ont empêché trois fois de recharger. Faut que j'utilise plus les grenades et tout. Ça me fera du bien. Elles sont là pour ça. Hein. La cabine de projection. Est-ce que j'y trouverai la scène de crime? La réponse était proche. Ta mère. Putain. Ah, je m'en sortais bien, mais là ils étaient très nombreux et le temps de recharger, c'est une horreur.
qui va me faire reprendre. Ok. Ok, ok, ok. Alors déjà, on vérifie que tout est rechargé. Tout est rechargé. Ok. Non, tout n'est pas rechargé. Charge, s'il te plaît. Oh allez, j'ai esquivé là. Chercher des munitions du coup. Pas évident, hein. Monte s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas monter? J'avais changé l'histoire. Et un ciblant trop noir changea. En fait, je ne peux pas monter. Donc il faut sûrement que je fasse. Je retourne là-haut. Et que je me mette en le grand maître. C'est ouvert, c'est ouvert. Maintenant c'est ouvert. On est d'accord que ce mois-là j'ai déjà déverrouillé. Le truc, ok. Salle d'entretien. Projecteur, il y a un. Ici.
c'est où, si? En fait, elle est pas très lisible, cette map, parce que tu sais pas si c'est... En fait, j'arrive pas à voir si c'est de l'autre côté de la rue, si c'est dans une petite salle. C'est très mal foutu, en fait. En fait, on voit pas si on est premier étage, deuxième étage. Enfin, rez-de-chaussée, premier étage. C'est assez chiant. Et là, il me dit qu'il y a un truc. Et c'est... pour moi, c'est Smoke qui est là. Parce que là, il n'y a rien, hein. Clairement. Alors, on va essayer de fouiller. J'ai 4 balles. Là. Putain. Mode action. Réduit les dégâts de ça, ouais. Augmente les dégâts infligés aux ennemis proches. Oui. Permet à l'âne d'être... ça. Non mais vraiment. Ok, ce mot là je l'ai. Il me manque. Ce mot là je suis sûr que je l'ai. C'est ça qui me manque. Donc ici, c'est le point d'intérêt avec Tim. Pour moi c'est qu'il faut passer par là. Il faut que je retourne vers la hauteur. Et ça c'est la partie toi. Faut que je retourne sur le toit. Putain! J'ai pas de munitions, c'est une purge. Purge de purge. Oh là 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 là. Faire quoi. Donc on retourne sur le toit. J'ai 4 munitions. Oh ça va être dur, ça va être dur. Faut vraiment que je trouve des boîtes. Hein. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue. Là, ça. Là. Le problème, c'est que quand je me mets comme ça, je suis pas invisible. On marque tous les points d'intérêt, augmente la charge. Et charge de lampe. Hein. Ok, et il m'en manque un. Et là, il y a de la peinture, genre. C'est vrai, hein. Putain.
Putain. Je suis vraiment dans la merde. Hein. Ce mot-là. C'est quoi ? Tim, t'as pas des trucs pour moi parce que là c'est vraiment la merde. Merci. Y'a pas un autre truc pour moi là? S'il te plaît, t'as pas une boîte, un truc. Les munitions se font rares. Les mots de lumière. Hop, voilà, on les a tous. Restaure 75 de santé par seconde lorsque vous amplifiez la lampe torche de. Allez, j'ai tous les mots, à part bah, celui-là, quoi. Eh, attendez, ça me gave un peu, excusez-moi, hein, je cherche. Il y avait 5 mots au total. Ah ouais, bah pourtant... Je les ai tous eus. Ça me dit que je les ai tous. Et que celui-là est bugué. Ok, et bah ça le dure en mettre, hein, pas le choix. Et ça va être tendu avec les peu de munitions que j'ai. Hein. Faut leur fouiller les gars. Hein. Il va falloir fuir aussi. On va arrêter de chercher le fight. Là. Regretter de faire ça, je pense. On court. Et on va vers la cabine de projection. Allez. En fait, selon le truc qui manque, c'est ça. Mais je l'ai. Et l'autre était par là, je crois. Bref. Et là, je l'ai. Avec Tim, on vient de le récupérer, c'est sur ça. Ah. En fait, celui que... Ah, c'était à côté. Donc, je l'avais déjà. Normalement. Oula. Dans la cabine. on s'emmerde pas. Là, il faut juste vraiment que j'aille vers la cabine de projection, que j'active en grand. Je suis pas encore en grand maître. Où j'active en grand maître. Ça semblait sorti d'une histoire d'horreur, mais je devais continuer.
Voilà. J'étais cerné par du matériel de cinéma. Je devais pouvoir rejoindre la cabine de projection. Putain, et s'il vous plaît, donnez-moi du matos. Je n'étais pas seul. Je suis là, espèce d'enfoiré! Montre-toi! Le grand maître, tu me parles. Un bouffon masqué, ouais. Ici. Non, je suis out of. J'étais de retour au départ. Une boucle dans une boucle. Je devais continuer. Je suis là, espèce d'enfoiré. Montre-toi. C'était qui? Qui a dit ça? Le grand maître, tu me parles. Un bouffon masqué, ouais. C'est pas moi qui porte un masque, espèce d'abruti. Le Casey de l'histoire perdait les pédales. Ce serait bientôt mon tour. J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer, progresser jusqu'au lieu. Je suis là, espèce d'enfoiré! Montre-toi! C'était qui? Qui a dit ça? Très joli numéro de claquette, fumier. Tu sais, je vais finir par te coincer. Le grand maître, tu me parles. Faut masquer, ouais. Faut pas moi qui porte la masque, espèce d'abruti. Pourquoi tu ne vas pas me tirer en face, mon pote? Là, on verra qui c'est, la petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mort. Elle m'a rongé l'esprit. Oh, tu te déchires totalement, mon vieux. Merde. Reprends-toi maintenant. Return. Je l'ai dit, j'ai return. Quelque chose a foiré. Je l'ai réécrit tellement de fois, mais j'échoue toujours à foire. Je m'y prends mal. J'oublie. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est moi qui déconne? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Ou est-ce que quelque chose m'échappe? Un élément vital? Oui, je dois écrire. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident, j'ai écrit Departure et ça a marché. Ça a très bien marché. Il manque peut-être une étape avant Return. Qu'y a-t-il entre Departure et Return? Les tâches, le défi, les leçons. Initiation. Oui, je l'ai pas écrit, celui-là. Pour vaincre cet endroit, pour arranger les choses, on ne peut pas plonger dans Return avant Initiation, c'est ça? Ça paraît logique. Initiation. Je dois écrire Initiation. J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer, progresser jusqu'au bout. Oh, la même salle. Et tu vas la fermer, ta gueule. Ferme-la. Je t'aurai. Je vous aurai tous, bande d'enfoirés. Pas de truc là avant. Le couteau. Oh non, pas ça! Vous le regretterez! Mais c'est enfui. C'est pas vrai. C'est pour t'aider, mec! Je voulais te retirer le masque. Reviens. Tiens, le parc d'attractions. J'approchais du but. Par contre, pas de munitions, ça me... Ni. Aïe. Bienvenue, Alex Casey. Je vous félicite. Vous avez bien joué votre rôle. Tout ce qui sort de ta bouche, ça sent mauvais. C'est des mensonges. Le seul endroit où tout ça a un sens, c'est dans ton cerveau malade. En tant que personnage fictif d'une histoire, vous avez rempli votre mission. Vous m'avez ramené l'auteur de l'histoire. Vous êtes libre maintenant, Casey. Pas question que je parte d'ici.
sans avoir obtenu des réponses. Comment j'ai fini dans ce film? Pourquoi est-ce que tout ça m'est fait pire? Mais qui t'es, bordel? Et putain, mais qui je suis? Non! Et bienvenue à vous, Alan Wake. Qu'est-ce qui se passe? Voici le rituel qui te guidera. Nous ne sommes plus qu'à un pas de votre destination finale, Monsieur Wake. Mais d'abord, voici un castel sans réponse pour vous. Si Casey était fictif et que vous avez endossé son rôle d'enquêteur, êtes-vous fictif aussi? Dans quelle histoire vivez-vous, Monsieur Wake? Les visions commençaient à m'irriter. Elles étaient trop proches à mon goût. Ce n'était pas une couche distincte, mais elles perturbaient ma réalité au sein de l'entre-noir. Non. Une impasse. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai loupé? Dans le parc d'attractions. Le lieu du crime. Ah, les deux, ils sont morts. Le masque était la clé. Munition. Non. Je m'aventurai plus loin dans l'entre-noir. Le poème sur le mur s'étoffait régulièrement, fidèle à mes pas. Comme mon ombre indésirable visible du coin de l'œil. C'était pas mes écrits. Je savais pas ce que c'était. Une terrible prophétie. Une épée de Damoclès. Ah bon, parle dans le ciel, flotte et coule plus loin. La nuit noie le jour, pour ce dormeur, la surface ridée. Le reflet est maintenant un traître, loin dans la cavité du crâne, devenu un cratère. Voici le rituel qui te guidera, tes amis le verront quand tu partiras. Pas fouiller le cadavre. Et bien fait défoncer. C'est comme ça que je pouvais l'aider. Wake. Saga Anderson, écoutez. Grincement m'a eu. Il a écrit Return. J'ai tenté de changer l'histoire, mais il m'a arrêté avant la fin. Il l'a maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Comment ça, s'enfuir? Est-ce Grincement aussi? Je dois l'arrêter. Je dois l'arrêter avant qu'il s'échappe. Il veut tuer Alice. Je suis piégé, mais je fais des progrès. Je vous ai choisi pour être l'héroïne de l'histoire. Grincement a fait une histoire d'horreur. Je dois conserver le genre. Ça doit être sombre. Mais l'héroïne peut gagner, sauver sa famille et nous tous. Sauver sa famille. Vous êtes en train de parler de ma famille? Oui. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Dans l'histoire d'horreur. J'étais bien plus proche. Je n'avais jamais été si proche. Mais il ne fallait pas traîner. Tout était encore vraiment incertain. Je pouvais encore tout perdre. Parliament Tower. Je devais y arriver cette fois. Arrêter Grincement. Prendre le manuscrit. Modifier sa fin. Bonne partie. La partie. Ah putain. Ouf. Voilà. Dans un poème qu'il nous a récité il y a plus.
Thomas Zane. Escazé, détective. Barbara Jagger, la veuve de l'écrivain. Meurtrier. Thomas Zane, l'écrivain. On va regarder, hein. C'est Zane, ça. Je sais pas si on va se... Si c'est un long film ou pas, mais... Bah, c'est le maté rapidement, quand même. Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. C'est lui qui chante dans les radios quand on le fait. En mä kun vähän puukolla tökkäsin sitä. Tuik, 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 tuik.
Heidi, sillä oli paskat housussa. Ilmo. Kontta suojapohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja soperteli jättä. Armo, armo, rakkas veli Anna, armo, mä kuolen! Ai, saatana. Ato. Tuhlaaja pojan paluu. Ja häntä koipien välis. Tuliko hakemaan anteeksi antaa? Muuten et mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se aina länkytys. Uurilahen mestarille. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Il a pas les yeux verrons, mais... Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Miten on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu, kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi, sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Palasit luoksemme. Bizarre. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen.
Zane. Sanotaan, että Alleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Alleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Ah! Oli. Ah. Oula. Ouais. Non, c'est bon. Oula, en plus, je passe mon tour. Hop là, toujours pas la bonne. J'ai peur un instant, je préfère remonter. Vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen.
en kierrä kehää. Tämä on spiraali. Bon, on s'est regardé le petit court-métrage de Alan Wake, là. Notre truc. C'est beau, hein. On va retourner au Parliament Tower, du coup. Sauvegarde. L'alcool qu'il y a dans cette ville ne suffirait jamais à noyer les souvenirs de ce cauchemar. Mais j'essaierai quand même. Cette enquête ne serait pas bouclée. J'avais encore plus de questions qu'au début. C'est toute l'ironie d'être coincé dans un roman policier post-moderne. Je sentais qu'on mes pieds, un public invisible avait les yeux rivés sur moi. Je voulais parler à la caméra cachée pour leur dire de me lâcher. Mais où est-ce qu'il fallait que je regarde pour briser le quatrième mur? Il y aura toujours une autre enquête pour Casey. Des millions d'histoires dans cette ville sinistre. La nuit m'ouvrit ses bras pour m'accueillir. Je me serrai contre elle. Générique. Et par là, du coup, il y avait un mot. Ouais, j'en profite pour vérifier. Ouais, le mot était par là, je crois. Il est quelque chose. Où exactement, mais il y avait un mot. Non. Par là, je crois. Si on l'avait eu. Ok, let's go. On va à Parliament Tower et je vais peut-être m'arrêter là. C'est par là. On va essayer d'éviter d'affronter des mecs. J'ai vraiment plus de munitions, c'est un peu la dèche. Le téléphone sonnait encore. Bizarrement, je sus que ce n'était pas Zayn. Bah oui. En même temps, on l'a un petit peu buté. Allô? Allô? C'était pas Zayn. Et pas Grincement non plus. Hein? Vous êtes moi? Moi? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je pige pas. L'entre-noir est composé de boucles.
Le temps est une histoire. Je vous appelle depuis un autre point de cette histoire. Quoi, du futur ? Oh putain, encore des boucles temporelles. Je ne sortirai jamais d'ici, pas vrai ? Si, bien sûr. Et non, bien sûr. Mais c'est votre propre choix. Ça veut dire quoi ? Je suis désolé de ce que vous allez subir. Vous devez retourner dans le sous-sol de l'émission. Prenez les photos d'Alice dans la boîte à chaussures. Pour pouvoir aller à Parliament Tower, vous devez les mettre dans la boîte à chaussures près de sa statue sur la place. Pour vous aider, pour aider Alice, pour aider Saga Anderson. Je suis mon propre Deus Ex Machina. Vraiment ? Il faut qu'on récupère les photos d'Alice, ça, du coup. Bon. Hein ? Combien d'écrivains faut-il pour boucler une histoire ? Un pour chaque brouillon. C'est le même écrivain, mais à divers moments de sa vie. Je suivrai les étapes qu'il avait créées pour moi. Des photos d'Alice dans le sous-sol du site de l'émission. Je devais les récupérer. Je mettrai les photos dans la boîte à chaussures auprès de la statue. J'ai pas les photos, faut que j'aille les récupérer. Ok, plus en plus d'ombre dans l'entre-noir. Hein. J'avais jamais récupéré les photos du coup. Non, pas le mot. Mettre les photos aussi. Je vais chercher les photos. Tu vois pas que je suis occupé ? J'ai pas d'issue, en effet, du coup je fuis. Où elles sont ces satanées photos ? Là j'ai la boîte à chaussures. Hein. Là je peux... Saga, mais on va continuer un peu avec Wake. Genre. Comment on fait déjà pour c'était où ? La boîte à chaussures, elle est là. Là. Là, il y a la... Alors, il faut... Je suis un peu perdu, là. Là, il y a le raccourci. Là, oula, c'est toi le jeu. Il doit y avoir un autre accès, je vais devoir passer par là, je pense. Fermé. Par où faut que je passe ? Là, je peux... Ah putain, me dis pas que c'était ça là depuis le début et que... Ah si, c'était ça depuis le début en fait. Allez, je récupère les photos d'Alice depuis tout à l'heure et je l'ai pas fait. Depuis tout à l'heure, depuis la dernière fois. Ouais.
photo d'Alice. Je reconnus son style. L'une montrait le rupteur sombrant dans les ténèbres. L'autre était une lumière en forme de munition. Il fallait que je les apporte sur la place. Allez. Banal, il est en Les munitions sont précieuses, il faut faire attention. Cassons-nous. Ah, pitié, cassons-nous. Non. Merde. En fait, la dernière fois, je devais déjà récupérer les photos, je ne l'ai pas fait. Heureusement, tu peux pas de glitch, tu peux pas faire de la merde. Non, voilà. On va retourner sur la place, mais à mon avis, on va bien se faire agresser. Je suis tellement pauvre en munitions. Je devais les mettre dans la boîte à chaussures près de la statue. C'est agressif, lui. Voilà. Je retourne avec Saga, j'ai pas le choix. Ah, on est retourné avec Saga. Pas le choix. D'accord. Oh, il nous oblige. Attendez, je vais vérifier. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de retourner avec Wake? Que ça me bloque et ça me remet vers Saga. Avec Wake là. Attendre Parliament Tower, avancer dans l'histoire. Ah, avancer dans l'histoire de Saga. Je comprends mieux. Donc on va aller. On va retourner avec Saga du coup. Hein. Pas le chouet. C'était bien logique. Retourner avec Saga. Je vais m'arrêter là en vrai. Il fait 1h45. En comptant le petit court-métrage. On va s'arrêter là. Carabine, encore la carabine. Non, si, mais j'ai pas. Faire de la place un petit peu. Pas la carabine, non. Être un moment. Oui. Benisa.
Bon, bah, on va s'arrêter là, hein. Du coup, bah, YouTube, je te souhaite une bonne journée, et puis on se dit à la prochaine, hein.